Coucou Nico. Coucou Nico. Ouh, je m'entends double. Coucou, je peux pas avoir 50 chaînes ouvertes. Ouh, je m'entends. Voilà, je vais plus m'entendre en double. Hop. Hop. Coucou Canton. Ah, live des castors. Tu m'entendais en double, c'est mieux comme ça? Parce que j'avais le... J'avais Twitch qui était aussi ouvert sur une autre fenêtre. Ok. Alors, vous regardez pas le foot C'est presque décevant. Ouais, non, je sais, c'est... Enfin, bon, c'est un truc, il paraît qu'il y a un événement en ce moment, je sais pas trop ce que c'est, mais... Un truc bizarre. Allez, on va reprendre doucement. Hop. Donc... Je sais plus trop où on s'en était arrêté. Rossignol est totalement guéri. Rossignol, l'évangéliste. Ça te va tellement bien... Ouais, le tout dans des stades surchauffés. Donc c'est qui lui? Ah, ça c'est, ah oui, c'est l'une de mes poches à sang. Donc Pogov qui attend toujours d'être nommé. Hop. Dans l'ordre quand même. Tac, dans l'ordre d'arrivée, c'est comme ça. Tac. Ah non, c'est Pogoff était arrivé avant Tom. Je crois. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc un chasseur. Mais attends, il faut vraiment que je lui enlève le fait qu'il soit chasseur. Parce que finalement, il va le faire tellement rarement. J'ai de bons chasseurs maintenant, donc c'est pas la peine d'insister. La nourriture se fait rare, les médicaments se font rares, ok. Risque de démence pour Pogoff. Qu'est-ce qui va pas, mon petit Pogoff? Oui, bah, il y a paralysie musculaire, donc ça fait souffrir. Et pour le reste, hôpital horrible, ouais, bah écoute, on fera avec. Vêtements en lambeaux pour Canton, qu'est-ce qui est tout cassé chez toi? Ton bandeau aux fourrures, mais en même temps, qu'est-ce que tu portes un bandeau aux fourrures d'ours, quoi? Je vous jure. Alors, les bandeaux, ils sont là. Bon, je vais faire fabriquer des bandeaux s'il veut porter des bandeaux. Hop. Je vais en faire en boucle. Tac. Voilà. C'est quoi les castors? C'est ce qu'il y a chez Slan, Canton, c'est ça? Et j'ai... Alors, en échange avec congrégation de chèvres. 8 masses de qualité normale ou mieux. Et il faudra que j'envoie une caravane. Et ouf. Alors moi je suis ici, il faut que j'envoie jusque là. Oh, c'est combien de temps là? C'est combien c'est? Oh ça va. 1,3 jours. Bon, donc c'est envisageable. Alors. Et donc il faudra que je lui fasse quoi? Que je lui fasse. 8 masses de qualité normale ou mieux. Pour ça, il faut des matériaux de construction. 8 masses. Est-ce que je peux avoir 8 masses? T'as besoin de quoi pour ça? Masse, c'est 50 métalliques ou bois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ressources? Prof.
8 fois 5, ça fait 400. Allez. Je vais lui faire plutôt. Je peux aller couper du bois. Ouais, parce que le métal. Autant le bois, j'en aurai toujours. Le métal, ça sera pas forcément le cas. Ardarino commande, et c'est sur quel jeu, du coup? J'avais une cabane. Bah, tant pis. Oh oui, mais c'était pas terrible ce qu'il y avait. Ok. Donc, on est parti sur l'ire agricole. D'arbres, on a dit. Hop. Et tes masses, tu vas les faire en bois, du coup. On va garder l'acier pour autre chose. Timberborn, oh, deux jeux de colonies. Ouais, c'est les castors ou les vampires. Je reconnais que. Je reconnais qu'il peut y avoir hésitation. Allez, une deuxième, un deuxième bébé chez les. Chez les yaks. Sauf que j'ai toujours pas assez. Il va falloir que je refasse de la bouffe pour mes bestiaux. Alors, quelqu'un qui a faim, Katox, tu as très faim, Katox. Une excellente chose. Hop, tu vas me faire de la pâte nutritive. Hop. Non, tu vas lâcher ça. Toujours chiant. Tac. Hop. Pose ça. Tiens, ton cuir de cochon, je sais pas pourquoi tu te balades avec, mais. Hop. Ah, bah je peux pas en faire plus. Tac. Non restreint. Et on te reporte ça urgemment. Ok. Canton est totalement guéri. Wonder Canton avec sa récupération. Tu connais bien Timberborn? Tu m'as jamais parlé, Nico? C'est quoi ce bordel? Oula, ça y est, encore des bébés. Encore des bébés dans les tables. Allez me chasser ça. J'ai pas envie de voir des bestiaux. Bim. Hop. Et un latin encore. Parfait. J'adore les animaux. J'ai regardé un autre streamer. Ah, Malga l'a acheté, d'accord. J'ai vu plus d'une cité mourir. Ça y est, je peux me remettre à cultiver des trucs, et ça, c'est quand même bien. Ok. Canton, il est en mode, je découpe tout, c'est très bien. Capsule de sauvetage. Ah, un banni. Nommé Kay s'est violemment écrasé dans une capsule de transport. Look. Alors, c'est l'ex-mari de Pogoff. Oh oh. Alors, est-ce qu'ils s'entendent bien ensemble? Relation. Pas terrible. Alors, ça promet. Qu'est-ce qu'il a de bien? Affreux, trop intelligent, pressé. Bon, il a des bons. Des bons traits. Et c'est un bon agriculteur. Bon.
Ouais. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à le récupérer, sachant qu'il risque d'avoir quelques soucis avec. Mais sauf que si je le récupère pas, ils vont faire la tronche, mes gens. Si je le récupère, ils vont vouloir rejoindre la colonie. Qu'est-ce que je fais? Un sommeil en cercueil va devenir nécessaire. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, t'as raison. J'ai vu que j'en étais pas mal proche. Je pourrais peut-être l'envoyer d'un repos éternel. T'as raison, je vais y aller tout de suite. Comme ça sera fait dans l'immédiat, je devrais pas avoir besoin de lui. J'ai quand même récupéré pas mal de bois. J'en ai récupéré suffisamment pour faire ma commande. Bon, qu'est-ce que je fais avec Kay, selon vous? Qu'est-ce que vous en feriez-vous? Sachant que les relations avec Pogoff, qui est quand même plutôt sympa. Je sais pas bien. Ouais, c'est quelqu'un de plus, c'est sûr. Agriculture. Ils font quoi les autres? Agriculture. C'est Tom qui fait tout. Et Canton qui peut aider. Bon. Rossignol est pour le sauver. Eh bien, nous allons le sauver alors. Catox. Sauf qu'attends, est-ce que. Oui, j'ai un lit pour lui. Hop, allez, Ketox va nous sauver Kay. Putain, ça consomme une quantité d'électricité, ces saloperies. Il me faut vraiment un générateur de plus. J'en ai qu'un. Faut que je m'en fasse un deuxième. On va le faire à côté là. Ah mais j'en ai déjà deux. Putain. Wesh. J'ai quoi pour me faire de l'énergie en plus? Ouais, j'ai rien d'autre. Il me faut une autre éolienne. Alors, je pourrais me faire une autre éolienne ici. Ah, j'ai pas assez de composants, merde. Alors, je vais déplacer ça ailleurs. Mettre ici. Hop. Je vais faire une autre éolienne en espérant que ça suffise. Il me faudra une autre source d'énergie en fait. Bon, je vais faire. Ok, Kane nous rejoint. Ah oui, je peux en. Mais bon, est-ce que j'ai. Je suis pas un grand récolteur d'organes devant l'Éternel. Sans mauvais jeu de mots. Réservé par Ketox. Ah oui. Ketox, j'aimerais que tu me bouges ce fer à cheval. Alors, les médocs se font rares, bah oui, forcément. Donc, une copie. Tac. Il faut du coup que je mine ce que j'ai là. Hop. Ça, il faut que je le coupe. Normalement, je devrais pas trop avoir de soucis de plantes qui poussent par là, mais dans le doute. Hop. Ah. Tu vas me faire plus de riz. Non, fais-moi du maïs. Attends, qu'est-ce que je fais pousser déjà? Là, c'est coton. Là, c'est des picoïdes, smokeleaf, houblon. Je fais pas pousser de n'importe quoi, moi. J'ai pas fait de.
d'herbe médicinale. Ah, mais j'avais peut-être pas de quiconque pour le faire. Je me rappelle vaguement quelque chose. Bon, fais-moi des herbes médicinales, coucou. Alors là, du coup, je vais faire plutôt du maïs. Oh, coucou le cygne. Alors, non, je vais faire de la patate ici. Parce que du coup, la patate craint moins les zones avec une fertilité amoindrie. Ce qu'on fait pousser dans le désert. Tant qu'à faire. Là aussi, je vais faire de la patate. Pam. Salut Speaky! Bienvenue sur le live. Lors de l'envie, pas l'agriculture. Ah oui, lorsque j'avais envie, c'est ça, j'avais pas d'agriculteur au niveau. Et maintenant, eh ben oui, elle est à 8-17, donc elle peut. C'est parfait. Ok, ouais, je commence à avoir pas mal de monde là du coup. Alors éternel, je voudrais quand même que tu me fasses en priorité. Forgeron. Ouais, chasseur, ça va être la prio numéro 1. Ok. Et qui est-ce qui construit du coup? C'est Tom. Ouais, Tom, elle doit faire beaucoup de choses. Speaky, j'ai besoin de gens pour. Oh, un raid. Les vidéos sur YouTube sont pas sorties. Alors, si, il y a la 1 et la 2 qui sont sorties. Mais pas les suivantes, parce que le signe n'était pas là du tout de mercredi soir à dimanche. Et comme c'est lui qui se charge de toutes les uploads, il pouvait pas. Donc il est revenu dimanche, là c'est en cours. Vous devriez, je pense, voir les épisodes 3, 4, 5, 6, puisqu'il y en a 4 qui sont en attente, qui à mon avis devraient sortir d'ici. D'ici demain, enfin dans les prochains jours, quoi. Speaky, est-ce que tu veux être. Alors, du coup, tu as le choix. Une femme cochon qui est. Bonne intello, bonne sociabilité, bon en animaux. Ou alors, Kay qui vient de nous rejoindre. Qui est un bon tireur, un bon soldat et un bon agriculteur. Est-ce que tu souhaites nommer l'un de ces personnages? Alors attends, ils se prépareront un chemin. Ils sont combien? Ah, le problème c'est que là, un raid. Ah ouais, ça commence à être un peu plus pénible, hein. Charge de mousse. C'est utile. Kay, oui. Kay, effectivement, c'est un couple, t'as raison de le préciser, Canton. Kay et Pogoff sont deux ex-maris. Truc à récupérer. Alors, tu veux bien être Kay. Kay, top. C'est donc Speaky. Voilà. Bienvenue dans notre base. Alors. Canton. Si je le réveille maintenant. De se reposer pendant au moins 3 heures. Le réveiller plus tôt le rendra malade. Ah merde. Parce que c'est un peu la merde quand même. Est-ce que je vais arriver à gérer le combat sans super caneton? Alors c'est Paquetox qui va m'y aider. Éternel, clairement il va m'y aider. Rossignol, mêlée. Pogoff est nul en tir. Tom est pas trop mauvais en mêlée. Alors tu vas aller m'équiper. La Wonderful épée et Speaky le kangourou, et non pas Skippy le kangourou. Qu'est-ce que j'ai comme arme de tir?
Qui est pas pris, j'ai un pistolet automatique. Il est pas biocodé celui-ci, si, c'est le celui de Charles Charlie Brandwick. C'est qui Charles Charlie Brandwick? Je sais pas. C'en est pas un que j'ai renommé. Chiro Ross. Si, c'est ça, c'est. Alors, à la limite, je vais rééquiper. Je vais donner son truc biocodé à Éternel du coup. Tac. Je vais équiper Speaky avec le fusil à pompe. Hop. Et quand ils lanceront leur attaque, et ben on va essayer de pas faire trop de la merde. Ah, ils ont. Bon, allez, c'est parti. Rossignol, ça va être l'heure de se réveiller. C'est pas l'heure de dormir. Même si t'as tes parasites match musculaires. Alors, skippy le kangourou. Tu vas te. Non, alors Rossignol, tu vas te mettre là. Hop. Skippy, tu vas te mettre là. Dopedum. Éternel, t'as quelle portée? C'est un peu moins naze, tu vas te mettre là. Tom, tu vas te mettre en embuscade ici. Et Pogoff, tu vas te mettre ici. Et puis bah on va espérer que ça va bien se passer. Hein. Qu'est-ce qui arrive en premier? Un revolver. Peut-être que Skippy, tu ne vas pas vivre très longtemps. J'espère que. Hop, allez, envoyer en artillerie lourde. Revolver, couteau, PM. Et toi, t'as quoi? Revolver, mais tu marches beaucoup plus lentement. Peut-être que Skippy, tu ne vas pas vivre très longtemps. J'espère que. Hop, allez, envoyer en artillerie lourde. Revolver, couteau, PM. Et toi, t'as quoi? Revolver, mais tu marches beaucoup plus lentement. Peut-être que Skippy, tu ne vas pas vivre très longtemps. J'espère que. Hop, allez, envoyer en artillerie lourde. Revolver, couteau, PM. Et toi, t'as quoi? Revolver, mais tu marches beaucoup plus lentement. Peut-être que Skippy, tu ne vas pas vivre très longtemps. J'espère que. Hop, allez, envoyer en artillerie lourde. Revolver, couteau, PM. Et toi, t'as quoi? Revolver, mais tu marches beaucoup plus lentement. Peut-être que Skippy, tu ne vas pas vivre très longtemps. J'espère que. Hop, allez, envoyer en artillerie lourde. Revolver, couteau, PM. Et toi, t'as quoi? Revolver, mais tu marches beaucoup plus lentement. Peut-être que Skippy, tu ne vas pas vivre très longtemps. J'espère que. Hop, allez, envoyer en artillerie lourde. Revolver, couteau. Qui s'est fait arracher le bras. Bon, écoute, désolé, mais. Alors, sinon, je peux. Je sais pas si je peux faire de. Catox avec ta médecine de 7,35.
Tu vas me faire une opération Viteuf. Pense pas que j'aurai beaucoup le temps de récupérer autre chose que son cœur. Hop. Il me faut une intervention. Je peux pas l'opérer si je l'ai pas capturé. Chier. Alors, tac. Oui. Ça va être chaud chaud. Capturer. Oh, 9 médocs, ça c'est cool. Excuse-nous, Canton. On est désolé. Tac. On récupère. On récupère. Ouais, il faut que je déshabille avant, t'as raison. Éternel, tu peux rentrer au bercail. Tac. Alors, tu vas. Non, tu vas certainement pas me le soigner. Tu vas déshabiller. Et ensuite. Pourquoi est-ce que je veux pas me l'opérer? Je récolte très bien quelques organes. Ah, attends, est-ce que par hasard, comme action violente interdite, peut-être qu'elle peut pas faire ça. Bon, Pogoff, je vais tester. Hein. Prioriser. Non. Récupérer des organes, je fais jamais sur le parti. Ouais, je le fais pas souvent, mais. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas l'opérer? Je sais pas. J'ai pas d'explication. Bon. Soigner, soigner, nourrir, porter, soigner. Ah, tant qu'il est blessé. Donc il faut d'abord que je soigne. Ok, soigne-le. Soigne sans médicaments. Frénésie d'insulte pour rossignol. Bah alors. Ouais, c'est un peu con parce que. Maladie rare. Il faut être en pleine santé pour être opéré, d'accord. Colin a besoin de soins, oui, je sais. Ce serait bien si tu t'attaquais pas à Skippy. À Spiti. Je suis désolé, je vais avoir du mal à dire autre chose que Skippy. Une petite opération dans le noir là. Prioriser, nettoyer. Bah, tu vois, il a plus de. Je ne me l'explique pas. Bon, sinon, je suis un peu en galère de bouffe aussi. Éternel. Il va falloir retourner à la chasse. Tac, tac, tac. En fait et en vitesse. Attends, sauf que maintenant du coup il faut qu'il récupère son fusil à pompe pour ça. Lâche fusil à pompe. Tac. Équipe fusil à pompe. Qu'est-ce que tu fais? Nourris le patient. Bon, je suis un peu déçu, hein. Ouais, tu vois, il. Ouais, enfin, Rossignol, si tu continues d'insulter les gens, ça risque de mal se terminer pour toi. Soigner Rossignol sans médicaments. Voilà, bah, problème réglé.
Non, alors maintenant tu vas te soigner pour de vrai. Secourir. Ouais, du coup, t'as plus de lit. C'est con. Je suis désolé, mais tu vas dormir par terre, monsieur Rossignol. Hop. Hop. Donc, tu vas me secourir, monsieur Rossignol. Hop. Et ensuite. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, tu vas pas dormir là, tu vas le soigner, genre. Tu vas te soigner. T'es pas d'accord, t'es pas d'accord, bah ouais, mais écoute, fallait pas insulter les gens. Hein. Ensuite, les gens, ils sont pas contents. Et Speaky, du coup, il a. Ah merde, j'ai pas de lit non plus pour lui. C'est l'hiver, ça. Viens dormir ici, au moins. Viens dormir à côté du vampire. Maladie, infection, merde. Oh putain. Oh, il me saoule, hein. Et du coup, est-ce que Éternel, non, t'es pas parti chasser. J'ai vraiment besoin que tu chasses en fait. J'ai vraiment vraiment besoin que tu chasses, parce que c'est quand même vraiment la merde au niveau de la bouffe. Donc désolé, mais tu dormiras plus tard. Ah mais il est là le loup. Ah bah si, c'est bon, j'ai de quoi. Bon, Ketox, c'était sur tous les fronts, mais. Non, arrêtez de bouffer du lap. Préparer des plats aussi. Putain, il fait vraiment tout. Hop, voilà, ça tu peux aller manger. Pour ceux qui mangent de la viande crue, en fait, bah les hommes cochons, ils s'en foutent. Parce qu'ils ont dans leur gène le fait que. C'est quoi, cette digestion robuste. Voilà, supprimer, supprime comme humeur à manger de la nourriture crue. Donc. Voilà, ça c'est plutôt cool. Mais c'était Tom qui voulait bouffer du lait cru. Bon, c'est bien, mais il y a mieux. Bon. Pas le soigner. Toujours pas le. Bah, je vais être obligé de le recruter au final. Hein. Il a quoi? Il est pas catastrophique qu'on c'est un bon constructeur. Il a juste perdu un bras, quoi. C'est tout. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Mais quel con! Putain, mais quel abruti! Oh là là, la boulette que j'ai failli faire! C'est à Katox, je l'ai. Oh mon Dieu! Mon Dieu, quel con! Oh putain, je l'ai vu juste à temps! C'est exactement ce que je voulais faire. On le remet sur patte et on le libère. Bah non, il n'est pas catastrophique. C'est juste que j'ai déjà pas mal de monde un peu HS. Oh la vache, putain. Comment je me suis fait peur.
Mein Gott, putain. Heureusement que elle est juste sous sédatif du coup. Animaux d'enclos affamés, bah ouais. Ouais, je vais me débarrasser de mes cochons. Je vais garder quoi? Là, c'est un mâle. Ce qui serait cool, c'est que... Voilà, j'ai un mâle et une femelle. Je vais me débarrasser de ces deux-là. Comme ça, j'aurais plus à leur donner à bouffer. Ouais, j'ai failli lui retirer sa maman. Bon, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour faire de la bouffe, là. Putain, c'est le drame. Speaky le kangourou. Faible quantité de nourriture pour bébé, bah ouais, tu m'étonnes. Ce poulet. Ah merde, j'ai pas de. J'ai plus de courant, putain. J'adore ce jeu. Ah oui, j'ai plus de composants, c'est vrai. Il faut que j'aille en miner. Il faut que j'aille miner du composant. J'en ai là. Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que j'en ai une plus proche? Non, je n'en ai pas de plus proche. Est-ce que j'ai d'autres mineurs? Je crois bien, oui. Hop. Mineur, Pogoff. Mets Damnée dans un endroit sûr, c'est bien pas bof. Et maintenant, là on bâtira abattre la truie plus tard. J'ai besoin de courant, bordel de merde. T'as combien en minage toi? 5? Ouais, pas ouf. Bon, il reste combien de temps là? 89%. Pourquoi? Et démence extrême. Bon, d'accord. Ok. D'accord, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de courant. Lui, j'aimerais bien que tu me le mettes dans mon superbe cimetière. Qui se décompose gentiment et qui reste pas là. Maladie grave. Tendu. Perte d'audition. Oh bah. Hop. Oh, avec un peu de bol, il va crever de l'infection. Et... 19%, c'est moche. 87, c'est mal barré pour lui. Égorgeur d'animaux. Speaky a une crise de nerfs et va passer sa rage sur vos animaux. Waouh, ça j'avais jamais eu encore. Bon. Je peux pas dire que ça me plaise à fond, mais si tu pouvais faire les cochons d'abord, ça m'arrangerait. Bah non, dommage. Ah, c'est un porcelet qui s'est fait. Bon, alors c'est le mâle ou c'est la femelle? C'est le... Donc, la femelle, on va essayer de la garder. Bon, ok. Ennui. Ketox s'ennuie. Ils vont tuer d'autres, comme ça? Dirait bien. Bon, ok. C'est moche. Bon, ça fait nourrir. Ah, voilà, Slick est décédé. Bon. Eh ben, tant pis. Je pense que ça va pas foutre. Ils viennent pas en général. Prisonnier, ils s'en fout. Ouais, ça fait moins 5. Tant pis.
Oh putain, il est chiant quand même. Hein. C'est lourd ça, c'est bien pour la bouffe, mais ce serait bien qu'il se calme quand même. Ah, c'est bon. Masque quoi? Un mâle, une femelle, c'est bon. Une femelle, un mâle, c'est bon. Tu viens de bouffer de la viande crue, toi? Oh putain, mais bon. Mais merde. Là, c'est vraiment le drame de pas avoir de courant comme ça là. Ah mais non! Mais qu'est-ce que tu... Ils font chier, sérieux. Oh là 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 là, je te jure. C'était quoi les mots pompes? Déjà. Non, c'est pas ça. Ça fait quoi les mots pompes? Augmente la quantité de jeunes que... Bon. Bah écoute, tant pis. Bon, il faut que tu te réveilles, toi. Le dormeur doit se réveiller, disait Franck. Allez, c'est bon, t'as fini ton gros dodo. T'es à 100%. Pogoff a besoin de soins. C'est quoi? Oui, c'est séparé du team musculaire. Annule ton... Hop. On m'a dit que t'arrêtais de dormir. Ah non, il reste 19h, mais il est à 100%. Bête d'affuc. Oh putain, en plus, il y avait tout ce qu'il fallait. Chut. Je vais faire ça en même temps. Rossi, hop, on va monter ça. Salut Nérule, bienvenue sur le live et bienvenue pour ton premier message. Bienvenue sur la chaîne, donc. Où as-tu entendu parler de notre merveilleuse chaîne du cygne? Ah tiens, merde, ça je pourrais. Il n'y a plus l'affecté aux prisonniers. En te baladant, donc par hasard. Bah écoute, tu m'en vois ravi. Tu es un... Fan de RimWorld également. Là, c'est un peu le bordel. Peut-être me faire des petites... des petites étagères, là. Membre du serveur francophone de RimWorld, d'accord. Donc, en gros, si je fais des conneries, je vais avoir quelqu'un qui va me dire bouh! Je vais essayer de pas faire de conneries du coup. J'ai la pression là, tout d'un coup, j'ai la pression. Bien.
Bon, on se remet un peu difficilement. Ah ça, il y a quand même ton... C'est enfin levé. La nourriture se fait rare. Oui, ça là, je suis au courant que la nourriture se fait rare. J'ai mes bestiaux qui vont surtout finir par crever de faim. Chasse. Ouh, plein de buffalo. Le buffalo, c'est bon. Mangez-en. C'est le cas de le dire. Éternel. C'est l'heure d'aller à la chasse. Tac. Éternel, c'est l'heure d'aller à la chasse. Tac. Et ben voilà. C'est qui a pas fait la bonne méthode? 1, 2, 3, 4, 5. 5 chasses à l'homme. Yeah. Allez, pas l'inviter. Mais quel con. Avoue que t'as voulu me porter la poisse, caneton. Avoue. Ou alors tu voulais montrer tes beaux biceps. Hop. Éternel court, mais genre vite. Genre plus vite que ça. Alors aussi, on a dit que c'était un mêlée. Alors, du coup, j'ai récupéré des armes depuis tout à l'heure. C'est plutôt une bonne chose. J'ai une excellente masse en bois, formidable. Rossi, tu vas aller t'équiper de cette excellence. Tu vas arrêter de prier. Hein. Je sais que tu es un grand pieu. Mais la prière, c'est fini. Toi, t'as ton fusil, c'est très bien. Vu tes capacités en tir, Tom, tu vas aller t'équiper également quand même d'une bonne arme de mêlée. Une autre excellente masse en bois. Hop, donc Tom va t'équiper de ça. Et Skippy le kangourou. Qu'est-ce que tu me proposes comme bonne arme à distance? Un PM médiocre. Ouais, mais vu ce que j'ai, je vais prendre du médiocre. Allez, fini de dormir. Je sais, t'as pas d'arme à distance, mais ça ne saurait tarder. C'est ça, c'est Éternel qui a voulu faire le malin. Ah, t'as foutu dans cette colonie. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Ken. On sent que le live d'Ardarine est fini, j'ai l'impression. Tu m'as l'air nettement plus actif maintenant. Quand vous êtes équipés, messieurs, dames, vous allez... Non, alors pas toi. Hop. Vous n'allez pas semer la zone, vous allez vous préparer à souffrir. Et puis, tu arrêtes de pioncer. Ce n'est pas le moment. Pogoff, tu vas arrêter de bouffer. Rapidement, caneton. Hop. Hop. Pogoff, tac. Est-ce qu'Éternel va arriver à s'échapper? Oui, ça devrait le faire. Tac. Et puis, tu t'arrêtes là. Tom, tu t'arrêtes par là. Caneton, viens nous sauver. Tac. Rossi, tu t'es équipé. Hop, maintenant tu bouges, tu te mobilises. Pogov, c'est bon, tu peux t'arrêter. Hop. Bim. Bim. Ah non! Pas Skippy le kangourou. Éternel Rossignol, help. Bim. Hop. Oh, il a encore fait un one shot. Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort. D'accord. Bon, ben voilà. Et franchement, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est pas ça qu'il faut dire? Franchement, c'était pas hyper bien géré. J'ai à peine de blessés. J'ai plein de bouffe. Tout va bien.
Ketox, bon, il est l'heure de faire de la bouffe. Attends, reste là, tiens, tac. Ah non, c'est ça que je voulais faire, définir, tac. Voilà. Bien. Ah, du coup, il fait de la pâte. Ouais, c'est pas mal ça, en fait. Comme t'es dans la merde. Canton, est-ce que tu vas pas me terminer? Finish off, il fallait. Voilà. Allez. De la viande, merci d'avoir servi d'appât. C'est exactement ça. De la viande bien saignante, surtout. Et puis surtout, les buffalos, ça te donne une quantité de bouffe astronomique. Donc c'est très très bien. Buffalo, c'est que du bonheur. Quand c'est dans ton assiette. Allez, tout ça au frigo. Speaky, hop, arrête de pioncer. Fais-moi transport de bouffe. Tac. Tac. Voilà, parfait. T'es quoi, t'as trop de bouffe là? Non, c'est bon. Parfait, 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 parfait. Bon. Un petit câlin. Ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, je suis un peu en drame de baraque. Canton, tu te balades. J'aimerais bien que tu me fasses ça en fait. Je m'arrangerais. Attends, t'es toujours mon meilleur constructeur. Ouais, t'es toujours mon meilleur constructeur. Donc. Tom, 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 tom. Tom, parfait. Tu vas me copier ces paramètres et les coller sur pas tous. Tac. Et tu vas associer tout ça. Parfait. Bon, du coup, je vais garder mes deux masses là. Je vais en faire deux autres. Ma quête, elle est toujours pas. Oh, il va falloir que. Je vais avoir combien de jours pour le faire? Une connerie souhaite en acheter. Là. Alors, qu'est-ce que je veux aussi? Un fusil d'assaut. Ah, qu'on peut. Ah. Il y a tout qui est tentant là-dedans. Qu'est-ce que vous prendriez, vous? Non, pas ça. C'est bien, mais. Enfin, c'est bien quand même. En chef-d'œuvre. Fusil d'assaut chef-d'œuvre, c'est quand même cool. Ça, c'est des trucs que j'ai jamais trop utilisés. Il choque l'esprit de la cible en lui envoyant des messages. Ouais. Ouais, ça permet de se débarrasser d'un truc très chiant. Oh, je me rends compte d'un truc. J'ai oublié de lancer l'enregistrement pour YouTube.